Yop, yop, tout le monde, c'est Claude for Life. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session tranquille sur Red Dead Redemption 2 Online. Salut Swat, salut Thierry, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Donc, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit pouce rouge, si ça ne vous plaît pas, c'est pas interdit, ça me fait quand même une vue. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description de la chaîne et des vidéos. Oups, pardon, là j'ai le retour un peu trop fort. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos et des modos. Donc du coup, on va lancer donc le mode exploration. Ouais, mais avant ça, je vais quand même créer une partie vocale privée afin de ne pas faire chier les gens sur le online. Donc juste le temps d'en créer une. Voilà. Ok. Et comme ça, j'emmerde personne. Ok. Voilà. Comme ça, j'emmerderai pas les gens qui seraient présents dans la session et qui vont certainement être présents dans la session. Hop. Ah bah y a pas de souci Thierry hein. Tu sais on fait pas tout forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Moi le fait que tu passes de temps en temps, alors vous avez reçu des objets de la part de Rockstar, veuillez consulter la Rockstar News Wire pour plus de détails. Non ça en vrai je m'en bats un peu les couilles mais bon c'est pas grave. Mais c'est gentil à eux. Hop, voilà. Ah moi ça va super bien soit j'espère que toi aussi. Hop ça c'est fait, ça c'est fait. Et c'est reparti. Ah t'inquiète pas Thierry, je pense qu'on t'avait reconnu hein. Re-salut monsieur Xerox, merci à toi, c'est super gentil, j'espère que tu vas toujours bien. Donc ça c'est bon, le truc il est en train de démarrer bien à son aise hein, évidemment. En tout cas j'espère que tout le monde va bien, que le week-end s'est bien passé pour tout le monde. Hop, mettre chargée la manette parce que sinon je risque d'avoir des problèmes en cours de jeu. Ça il faut vraiment que je prenne le... Ça va, il n'y a pas de joueur autour de moi. Dans quel sens ça va encore cette merde? Voilà. Hop, manette en charge, ça c'est une chose. Le téléphone en charge également. Pour continuer à avoir le retour sur le chat, salut T-Boss, comment vas-tu? Ah, c'est super gentil à toi T-Boss. J'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Bon, du coup... Ben, on va continuer clairement à pas faire grand chose en fait. Peut-être quelques missions. Récupérer un peu d'argent parce que j'en ai dépensé pas mal pour l'acquisition du cheval. Ah m'en parle pas T-Boss hein. Demain c'est à partir de demain. Enfin à partir de demain non ça va être de... Demain ça fera la... On entame la deuxième semaine de travaux de maintenance dans une usine de fabrication du verre et je te garantis que je vais bien transpirer également. Ah ben c'est cool ça T-Boss. Profite bien de tes vacances. Enfin quand tu les auras en tout cas. Oh t'inquiète je garde le moral. Demain t'as école, ben c'est cool ça Thierry. Bon mon cheval il arrive là. Bon est-ce que c'est... Oui c'est bourrin. Voilà, donc c'est mon nouveau cheval. Il est un peu moins ridicule que l'ancien. On va quand même éclairer un peu. Hein. Voilà, je me suis pris un bon cheval de trait. Inventaire du cheval, arme sur le cheval. Non, non, non. Ce que je veux, c'est... Comment ça? Je peux que... Qu'afficher des infos. Je peux pas le... Je peux pas lui donner à manger. C'est pas encore assez, mon copain. Petite caresse. Oui, voilà. Voilà. Petite caresse, bien sûr, évidemment. Hein, il faut que j'en fasse mon copain. Maintenant, je veux pas descendre, je m'en fous, je veux avoir la map. Salut Mikoul. Et le 6 août vlog dans Disneyland. Ah, c'est cool ça, T-Boss. Comment tu vas, mon Mikoul?
Bon, je vais quand même aller voir un peu sur la map. Non, c'est pas ça la map. Allez, je joue à tellement de jeux que pour finir, à chaque fois, je dois rechercher après les touches. Tiens, je suis pas loin de la rivière. Par contre, je sais plus. Je regarderai un petit peu. J'ai enregistré une session où j'allais chercher un. Enfin, où j'allais pêcher. J'ai réussi à attraper un esturgeon. Un esturgeon jaune qui fait partie des espèces spéciales du jeu. Salut en vrac, ah, ça fait plaisir en vrac, comment tu vas? Ah, pas mal ta petite trouvaille en tout cas sur Gran Turismo 4. Très très belle trouvaille, vraiment sympa le manuel. J'ai eu l'occasion d'en voir un passer une fois. J'avais un cousin qui l'avait. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal ce livre. Bon, maintenant je ne suis pas sûr que ce soit bien sur le 4, mais je sais qu'en général les manuels sur Gran Turismo sont plutôt bien foutus. Bon, on va entamer directement par une mission, hein, c'est la nuit, je vais pas commencer à chasser, j'ai pas envie de chasser maintenant en tout cas. Là, je me demande si c'est la maison du. Ouais, je pense que c'est la maison du frère et de la sœur, c'est ici. Ouais, non, peut-être. Non, en tout cas, c'est pas ici que j'ai. Ah merde, il y a des joueurs. Donc je. Bah si, c'est là. Pourquoi j'allais aller de l'autre côté, moi? Voilà, on va y aller tout doucement, j'ai pas envie de. De déjà abîmer mon cheval. Salut Victoria, bienvenue à toi également. Salut la faucheuse. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à aller checker vos chaînes, à vous abonner les uns aux autres, mais surtout à être actif, ne pas s'abonner pour dire de gratter un abo, parce que c'est complètement con, ça sert à rien. Donc surtout, si vous vous abonnez entre vous, ben faites-le vraiment pour vous soutenir. Bon, je dois aller saisir un truc, ok, des embarcations pour être précis, ok, je dois aller chercher des bateaux. Salut Cèdre, bienvenue à toi Cèdre, comment tu vas mon ami? Bon, bah apparemment je dois aller au domaine et je dois gratter un bateau. Ok. Bon, est-ce que je vais couper au cours? Ouais, quand même. J'espère juste que je vais pas me viander. Que je vais pas me faire attraper par. Pourquoi il veut absolument me faire faire tout le tour? Je vais quand même regarder la map parce que s'il veut me faire faire. Bah non, il me fait faire tout le tour pour rien. Bah, je vais passer par là, je vais couper à travers les champs. Hein. Je vais quand même allumer les phares. Même si le jour, semble-t-il, est en train de se lever. Bon, ok, malgré que c'est un cheval de trait, il saute bien quand même. Donc ça, c'est bon. Alors moi, personnellement, toujours la forme, Cèdre. Pas forcément la grande forme, mais la forme. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire une grosse connerie. Des cartouches, faudra que j'aille m'en chercher. Voilà, ça en fait un. Ça en fait deux. Ça en fait trois. Ça en fait 4. Oh merde, j'ai plus de balles. Voilà, dans ta gueule. Fallait pas courir sur moi, coco. Là, j'ai le temps de les fouiller. Donc, je pense que je vais les fouiller un peu. On ne sait jamais, ils ont peut-être des trucs intéressants sur eux. Peut-être des cartouches ou. Bon, j'espère que j'ai vraiment. Ouais, j'ai qu'un bateau à récupérer. Ils étaient pas nombreux non plus.
Et puis j'ai eu quand même un peu de chance. Salut Yako, comment il va Silvermoon? Merci pour le pouce. Ah oui, T-Boss, il est actif, T-Boss. Bon, maintenant, il n'est pas actif non plus forcément tous les jours parce que ben, il travaille, il a une vie professionnelle aussi. Mais c'est quelqu'un qui passe régulièrement. Salut Rio, enfin re-salut mon petit frère, comment tu vas? Par contre, les gens, je profite un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commandé sur la Fnac et un petit peu ce qu'ils en pensent? Si vous pourriez éventuellement me faire un petit retour par rapport à ça, ça serait plutôt cool. Bon, ça c'est une mission un peu chiante, hein, voler les bateaux. En plus, il y a des crocos partout dans la flotte. Là, il y a un gars sur une barque, j'espère que il va pas trop m'emmerder. Ah, par contre, c'est chiant, les canards, je peux pas les tuer maintenant. Alors. Ah ben voilà, tu vois, apparemment il y a Xerox qui a déjà commandé sur la Fnac. Apparemment il en est content. Salut Dunrulian! Hop. Ah ben voilà, Ryu, je pense que tu as ta réponse. Apparemment, les gens qui ont déjà commandé sur la Fnac sont plutôt satisfaits. C'est bon, moi personnellement, j'y ai jamais commandé, donc je ne sais pas. Maintenant, par rapport à la Belgique, la France, je sais pas comment ça se passe. Après, quand c'est mieux quand même prendre un magasin, oui. Salut Sioux78, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ah ben ça va, t'as plusieurs réponses, Ryu. Il y a plutôt du sympa. Bon, je vais quand même essayer de me dépêcher un peu pour aller sur le point parce que là, le bateau il va assez vite, oui, mais. Là, par contre, c'est poissonneux à mort ici. Et quelques petits crocos. Ça, c'est un peu plus chiant. Oui, c'est pas le problème qu'ils livrent ou pas en Belgique qui pose problème. C'est par rapport aux frais de port, par rapport au temps, par rapport à l'éventuelle perte de colis, parce que ça arrive également, hein. C'est pour ça que justement, je posais la question si, ben, s'il y avait déjà des gens qui avaient eu des soucis particuliers. Apparemment, ceux qui ont commandé là, qui sont dans le chat, sont plutôt contents. Donc voilà, c'est une bonne info. En vous remerciant, les gars. Pourquoi j'ai un point blanc là-bas? J'espère que c'est le joueur qui attend que je lui livre la barque. Alors, par contre, je vais peut-être profiter que je suis près du truc. Ouais, il y a pas mal d'alligators. Soit je vais chasser un peu l'alligator, soit je vais essayer de pêcher quelque chose d'intéressant. Il y a une émission belge qui te tue de rire. Ah, si tu me dis striptease, ça passait aussi sur France 3. Hein. Tu commandes sur Rakuten. Ouais, ça, Bikil m'en avait parlé déjà de Rakuten et apparemment, lui, il en est content. Il y a pas mal de trucs pas chers. Ça existe encore la Fnac, ils ont pas fait faillite, lol. Non, non, t'inquiète, grâce au fait que les vinyles sont devenus rétro. Ils se sont lancés dans le business. Hop, ta copine m'a invité sur Facebook. Bah écoute, j'irai jeter un œil à ça après. Ah ouais, c'était mythique, bien sûr. Bah, il n'y avait pas que du belge non plus là-dedans. Hein. Le nord de la France, il est plutôt bien servi. Point de vue chelou, hein. Il n'y a pas que chez nous. Ah, nous, on a le vieux dégueulasse avec sa lunette de travers qui aime sa quête. Hein. Pour ceux qui ont vu le truc, dans le nord de la France, il y a l'autre teubé qui fabrique sa soucoupe volante avec du carton. Hein. Qui était plutôt pas mal.
J'ai commencé il y a longtemps. Bah écoute, j'ai fini le mode histoire, oui, il y a déjà un bon moment. Et ici, j'ai commencé le mode en ligne il y a pas forcément très longtemps. Et j'aime bien y aller pour me détendre, tout simplement. Choisir un. Maintenant, je vais pas ranger ma canne. Allez, ressors la canne. Ressors la canne. Mais non, pas l'œuf. Oh! Oh putain, il y en a un qui me snipe. Oh l'enculé. J'allais pêcher, il y en a un qui me snipe. Il est où ce PD? Il est où? Il est là quelque part. Il est là quelque part, hein. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, tu te casses maintenant, petit PD, hein. Ah, tu te caches, hein. Petit con, va. Allez, vas-y, monte ta gueule. Vas-y, montre ta gueule, montre ta gueule. Eh merde, il m'a eu. Ah, ça c'est le problème sur Red Dead, hein. C'est toujours le foutoir. Les choses que tu as en Donania, si, il y a tout dans le mode histoire. Si tu veux pêcher, tu pêches, tu veux chasser, tu chasses, tu peux crafter, tu peux créer des objets, tu peux cueillir des plantes. Là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Oh putain, il est où ce PD? Il est derrière. Attends, je vais profiter que je suis caché derrière le pont. Ouais, il est juste là-bas. Là, je pense pas que je l'aurai comme ça. Je vais pas chercher l'affrontement. Enfin, quoique. Quoique, pourquoi pas après tout. Il y en a qui sont en train de se rapprocher, là, je le sens. Ça sent mauvais pour mon cul. Ça sent mauvais pour mon cul. Donc je vais me barrer et choisir un autre coin de chasse et de pêche. Parce que là, c'est pas très très bon ça. Hop, un petit instant. 135,3 dB, le meilleur épisode. Ah oui, avec la, oui, avec la Renault 21. Avec la Renault 21, excellent, excellent. Écoute, moi personnellement, je préfère toujours faire d'abord le mode histoire. Ça permet une prise en main du jeu. Et puis en général, chez Rockstar, les modes histoire sont plutôt bien faits. Hein, ils sont même très beaux. On peut pas dire le contraire. Il suffit de regarder GTA, il suffit de regarder celui-ci, Red Dead. Donc moi je te conseillerais de faire le mode histoire et pourquoi pas entre-temps de partir un peu en ligne. Le mode en ligne est intéressant et plutôt reposant. Bon, par contre, il faut que je marque un endroit parce que là je sens que ces enfoirés-là, je suis juste pris en tenaille. Je vais aller voir là-bas chez Thomas. Je ne sais plus quel type de mission il offre. Ouais, par contre, il faudrait peut-être, c'est que je puisse aller dans un magasin. Ouais, je vais aller racheter des munitions, parce que là, je suis vraiment dans la merde. Je suis plutôt léger. Point de vue munitions. Et en même temps, je passerai au service postal. Ah, j'espère que lui, il va pas me tirer dessus. Eh mec, je t'emmerde pas. Non, ça va, lui, c'est une victime, apparemment. Ou alors il est en AFK. Et tuer les joueurs quand ils sont AFK, j'aime pas. Tiens, je vais nourrir le cheval, ouais. C'est ce con. Voilà, tiens, une carotte. Voilà. Par contre, faut que je bouffe aussi, moi. Objet, tiens, on va bouffer ça. Voilà, c'est bon. Par contre, je suis quand même un peu. Quand même content de mon cheval de trait. Ça change de la vieille carne ou du furoncle que je me tapais juste avant. Attendez, je dirai le chat juste après. Je vais vite d'abord aller à la boutique d'armes.
Par contre, ça aurait été cool qu'il nous retape un amunation sur le Red Dead pour les magasins d'armes. Ça aurait été cool, je trouve. Un petit clin d'œil comme ça sur GTA. Hop, nous faire peut-être une mission avec un ancêtre de Trevor, ça aurait été cool. Hop, le frein à main là. Et ici, ça parle anglais, ça parle italien, ça parle français dans Saint-Denis. Ils ont vraiment bien fait le truc. Mais ils ont vraiment bien fait le truc, je trouve. Non, ça c'est la laverie du con. Ah, par contre, je sais pas si vous avez vu une petite anecdote sur Red Dead. Il y a un mec sur. Je sais pas si c'est sur Twitch ou sur YouTube, dans Red Dead Online. Et il s'amusait à tuer les féministes. Bah, sa chaîne, elle a été supprimée. Ouais, le cheval, t'as le cheval de départ sur le online, Siou. Mais après, il faut le. Ouais, il faut en acheter, faut en trouver. Bon, moi, j'ai pas encore fait la chasse aux chevaux. Donc, voilà, j'ai dû l'acheter. Et avoir l'argent sur le online, c'est chaud. Je ne sais plus si je t'ai salué, faucheuse. Si ce n'est pas le cas, je te prie de m'en excuser, d'accepter mon salut. J'espère que tu vas bien. Salut, Golden! Bienvenue à toi également. Donc j'espère que vous allez tous bien. Feuilleter le catalogue. Évidemment qu'on va feuilleter le catalogue. Et après je nettoierai peut-être un peu mes armes. Munitions. Bon, normalement les munitions elles sont pas très chères. Voilà, 40 centimes. Ok. Ça c'est épuisé, ça c'est épuisé, ça. J'ai pas accès non plus. Voilà, pour fusil standard, ok, c'est bon, je suis full. Ça, je peux pas. Il y a des flèches, on va en racheter aussi. Voilà, normalement, là, c'est bon. Alors, en tout cas, c'est cool de voir autant de monde aujourd'hui sur le stream. Ça fait plaisir. Donc je sais que d'habitude je stream pas forcément des jeux qui plaisent. Est-ce que je vais nettoyer mes armes? Ouais, je vais quand même nettoyer un peu mes armes. Je crois que c'est dans personnaliser. Personnaliser. Ah ouais, tout. Donc j'ai pas énormément d'armes. Hein. Ah, $1,50 pour la nettoyer. Bon, elle était pas très sale celle-là. La carabine à répétition, je sais même pas si je m'en sers en fait. Ouais, je peux la placer sur l'épaule, non, placer dans le dos. Voilà, et celle-ci sur l'épaule. Ah, comme ça, j'ai toutes mes. Non, celle-ci. Est-ce que je peux la nettoyer? Elle est propre. Le fusil à verrou. Puis-je le nettoyer? Ah, il est un peu dégueulasse. Ouais. Donc ça, c'est important. L'entretien des armes dans ce jeu, il est vraiment important. Avec des armes dégueulasses, vous aurez moins de portée, vous aurez moins de puissance, moins de précision. Ils ont vraiment poussé le vice jusque-là. Merci en tout cas les modos. Bon, ça c'est bon, mes armes elles sont propres. Donc comme vous le voyez pour le moment, je suis vachement pauvre. J'ai utilisé ce qu'il fallait pour le cheval. Et je l'ai assuré. Par contre, j'ai pas encore les produits d'entretien pour le cheval. Ça, c'est. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, j'ai pas encore la brosse. Je sais même pas où il faut l'acheter, cette brosse de merde. Ou alors, c'est que j'ai pas encore le niveau, je sais pas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une mission ici plus loin. Ah, il y en a deux. Il y a une mission dans un des saloons. Et j'ai une mission, bien sûr, à la poste. Ça, c'est Angus. Et ici, Anthony Foreman. De la bande des frères Foreman propose des braquages, diligence, des vols et des assassinats. Ça me semble bien sympathique, tout ça. On va y aller.
Ouais, pourquoi pas, Yako, du Destiny. De toute façon, je vais retourner dessus, mais je vais peut-être pas faire le 2, je vais peut-être me relancer un petit peu sur le Destiny 1 qui pour moi est quand même un poil supérieur point de vue fun. Même si Destiny 2 est très beau et que j'ai pris pas mal de plaisir à jouer. Hop, j'allais encore me prendre un frontal. Et les frontales, ça pique un peu ici, hein. C'est la dernière fois. Je me suis pris un frontal avec des gars qui étaient en mission. Donc ça, je ne sais plus, je crois que j'étais hors live. Et j'ai eu de la chance de pas me faire défoncer. Ouais, c'est le même principe que GTA, hein. Tu dois augmenter tes niveaux, tu dois faire les missions principales, tu as des missions secondaires un peu partout. C'est vraiment la même chose que sur GTA, Sioux. Salut Johnny 4 Life, bienvenue à toi Johnny. Ah, ça va super bien et toi? Ah, bah t'inquiète en vrac, moi je te suivrai, ça c'est certain. J'avais pris plaisir à te suivre dans les moments les plus actifs, même les moins actifs. Je venais quand même te mettre des petits messages pour prendre de tes nouvelles. Donc ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas ça. Alors, détruire des marchandises, ah, ça je sais le faire, ça. Est-ce que j'ai encore de la dynamite? Oui, j'ai de la dynamite, ça c'est bien. Alors, je vais garder mon lasso, je vais prendre mon fusil à verrou parce que c'est quand même le fusil le plus fort que j'ai. C'est surtout que j'ai une lunette dessus et une bonne portée. Alors, par contre, attends, hop, on va freiner un peu. On va prendre la map, je vais essayer de marquer quand même l'endroit. Ok. Ah ouais, et en plus il bouge. Mais non, pas paramètre, allez, dégage, allez. On va essayer de surtout pas se prendre de charrette. Alors pourquoi j'ai pris un cheval de trait? Parce que je pense que, par logique, vu que le jeu est quand même pas mal réaliste, je pense que je peux charger la même chose que sur l'autre cheval, mais que celui-ci se fatiguera quand même moins vite. Enfin, en tout cas, une fois que mes liens d'amitié avec lui seront optimaux. Bon, par contre, point de vue vitesse, bon, c'est un tank, hein. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir du pur sang arabe, hein, qui lui est vachement rapide. Récompense voyage. 100 miles parcourus avec le cheval, c'est bien. Bon, c'est pas énorme. Tiens, je vais profiter que je suis sur une presque ligne droite pour aller voir la map. Mais non, pas ça, c'est la map que je veux du con. Mais pourquoi j'ai pas la map? Salut, Gemra! Alors, Gemra, hein. Ouais, mais par contre, évite de mettre trop de messages avec ce pseudo-là, s'il te plaît, Verso. Parce qu'un prank comme ça pourrait te coûter ta chaîne, poto. Salut, Slyrem! Un revenant, Slyrem! Comment tu vas? Du coup, j'ai même pas vu où il était passé le. Allez, où il est, où il est, où il est. Tiens, je vais essayer de le taper là. Normalement, je pourrais prendre un peu d'avance. Si je coupe par là, on va prendre à travers le domaine.
dans des champs de on sait pas, on dirait des plantes qui font rire. Ou du tabac ou du coton, je sais pas. N'étant point botaniste, je ne saurais point le dire. Oula, j'ai un joueur qui est juste à côté de moi qui est en passif, on va dire. Hop, on va essayer de passer avant que le train arrive. Oula, par contre, mon cheval, il est en train de souffrir là. Je vais attendre que il reprenne un peu de vie, un peu d'énergie. On va lui faire une petite caresse. Tiens, voilà une carotte. Une petite caresse pour. Allez, fais-lui une caresse, hein. Là, il veut pas. J'espère qu'il va pas se viander. Je suis quand même pas si expert dans le viandage de. Dans le viandage à cheval. Ah, voilà. Hop, on prend la carabine. Non, merde, j'ai encore le. Oh merde, il a plus de chapeau lui. Voilà, un, ça en fait un. Ça en fait deux. Ok, on détruit la marchandise, évidemment. Attends, toi, tu te calmes déjà. On se calme. Voilà, c'est bon. Et j'ai gagné 7 dollars. Et 220 XP. C'est pas grand-chose, mais c'est plutôt pas mal. Ah bah ouais, tu m'étonnes, Sly. En tout cas, content de te revoir. J'espère que tout va bien pour toi. Salut mon Cyrilou! Comment il va, Cyrilou? Hop, pas de soucis, Xerox. Un grand merci à toi pour ta présence. Bonne soirée à toi. Bonne nuit et ben à bientôt, l'ami. Salut Albu, bienvenue à toi. Comment vas-tu, Albu? Bon, je vais quand même enlever la dynamite de ma main parce que j'ai peur de me faire exploser tout seul comme un con. Alors, est-ce que. Oui, il y a un teubé là tout seul. Black Belle, célèbre as de la gâchette. Elle se cache à Scarlet Meadows. Elle propose diverses missions d'évasion, des braquages et des assassinats à tous ceux qui sont prêts à se salir les mains. Évidemment. Comment refuser une telle invitation? Et puis j'ai besoin d'argent. Alors ça fait baisser un peu la réputation, c'est vrai. Mais quand on a besoin de pognon, on a besoin de pognon. Et comme sur ce jeu, avoir du pognon, c'est pas comme. Comme sur GTA. Hop, un petit instant, deux petites secondes, je coupe 2 secondes le micro. Ah, moi ça va super bien en tout cas, hein. Toujours la forme, les gars. Enfin, du moins, on essaye. C'est bien, c'est le chemin qui me. On va essayer en même temps de chasser tant qu'on y. Oh, il y a de la biche là. Non, pas ça. On va prendre l'arc. Il y a de la biche, elle est partie. Non, elle est là. Voilà, deux flèches. Bon, j'espère que sa peau sera pas trop abîmée. Moi, je vends tout, la viande, tout, et je me nourris uniquement de conserves. Hein. Et de fruits frais. Biche de Virginie. Ah oui, je suis un grand fan de Bambi, hein, Sly. Hein. Salut Elron! C'est super gentil à toi, Elron. En tout cas, j'espère que tu vas bien, poteau. Mis à part tes petits soucis d'internet. Bon, une peau de biche en mauvais état, c'est pas grave, on va quand même la charger. Et on va aller voir la Miss. La Calamity Jane. Ça, bien sûr, faut que je passe du côté où il n'y a pas la porte, hein. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, il y a une porte au moins, ça.
J'imagine que c'est ça. Ben, j'imagine très mal. Ah, c'est celle-ci alors. Bonjour madame. Attends, je vais d'abord regarder ce que t'as ici parce que. Titain, j'espère que tu dors pas là, madame, parce que c'est un peu dégueulasse, hein. Ah putain, mais t'es une crasseuse. Alors, une petite embuscade, ben oui, mais ça c'est bien ça. Non, j'aurais pu poser la carcasse sur le cheval, Sioux. Mais ça limite après la place si je trouve par exemple une peau d'ours ou une peau de croco. C'est toujours mieux que j'ai de la place pour la poser en fait. Et c'est parti, embuscade, interceptez le chariot et livrez-le à destination. Allez, le cheval, amène-toi vite fait. Où est-ce qu'il est ce chariot? Où est-ce qu'il est? Putain, il est où? Ah ouais, quand même. Tiens, on va mettre le point ici. Et on va partir tout droit. Où est-ce qu'il est mon cheval? Il veut pas venir jusqu'ici, lui. Putain, t'es un fainéant, mec. Là, je vais essayer de sortir de la forêt parce que je sens que je vais me prendre un arbre en pleine face. Ah, le brouillard du matin qui est bien fait, très très bien fait. Salut DJ Dead! Bienvenue sur le live, comment vas-tu DJ? On va essayer quand même d'accélérer un peu. C'est vrai qu'un cheval costaud c'est intéressant, mais quand j'aurai un peu plus d'argent, je pense que je vais quand même investir dans peut-être dans un pur sang ou dans un Mustang. À moins que je tombe sur un groupe de chevaux. Attends, parce que ici je vais voir parce qu'il y a peut-être moyen d'intercepter. Ouais. Je vais remonter jusqu'ici et après tourner à droite. Non, j'espère que je vais pas me retrouver avec un train juste en face de moi. Ça serait un peu chaud. Salut Argatech, bienvenue sur le live Argatech. Comment vas-tu? Donc désolé s'il y a des messages que j'ai loupés. Par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant qu'il soit pas rapide du tout le cheval. Hein. J'espère juste une fois que j'aurai le chariot que je vais pas me faire braquer en ligne. Mais ça me ferait un peu chier. Allez, nage, nage, nage. Ah, il n'aime pas la nage le cheval. Tiens, prends une carotte. On va laisser se reposer un peu. Parce que j'ai pas encore de forts liens d'amitié avec le cheval. Putain, c'est déjà la nuit, c'est une blague. Là, ça tire derrière. Par contre, je sais absolument pas où je vais. Je vois absolument rien du tout. Je vais allumer les phares, on verra. Il y a pas mal d'animaux, ça. Ah là, il est là. Là, hop. Allez, putain. Voilà, dégage. Je prends le chariot et je vais le livrer.
9 minutes pour le livrer. Je sais absolument pas où je dois aller l'amener. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur de me faire attaquer. Ah, je suis obligé de faire un détour comme ça, c'est une blague. Ah bah ouais, j'ai pas le choix en fait. Oh putain, non! Alors je sais pas si c'est des PNJ ou pas. Apparemment oui. Putain, oui, il est où l'autre? Il est où l'autre? Je pense qu'il s'est viandé. Je pensais, j'étais sûr qu'ils étaient trois. C'est pas normal ça. Ah, attends un petit instant. Attendez, je lirai le chat juste après. J'ai vu qu'on parlait de cheval gratuit en élite. Attends. Si... Merde. Oui, j'ai un code pour avoir un cheval. Oui, mais je l'ai pas utilisé encore. Donc, je vendrai peut-être ce code ou je l'offrirai peut-être. Pourquoi pas à un joueur belge. Étant donné que les codes en Belgique ne marchent que en Belgique et les codes en France ne marchent qu'en France. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Pas de soucis, Ergatec. De toute façon, je lirai les messages du chat après. Donc, je vous prie de m'excuser si je ne les lis pas tout de suite. Mais étant donné que là, le temps, il est précieux. Et que je me fais attaquer de temps en temps et que j'ai pas mal peur que... Que comme sur GTA, j'ai des joueurs qui viennent me casser les couilles. Voilà, les joueurs rivaux peuvent voler le chariot. Évidemment, et un chariot, ça avance encore moins vite que... Là, je suis à fond, en fait, hein. Oh putain, c'est bon, il est là. C'est bon, c'est là. C'est bon, c'est là. J'ai vraiment eu un peu de chance sur ce coup-là, c'est très bien. Pour une fois, je me suis pas fait gratter comme un gros noob. Écoute, je sais que j'ai un code que j'ai pas encore utilisé. Maintenant, je ne sais pas si j'en ai un vraiment gratuit en élite. Faudrait que je jette un œil quand j'arrive à une écurie. Donc, ça, j'irai voir. Hé, hey, Mikuku, comment tu vas? T'as encore changé de pseudo, Miku? Ah, du coup, j'ai même pas vu ce que j'avais gagné. Oh, c'est pas grave. Je vais continuer à faire un peu de chasse ici. Il y a bien un truc qui traîne là, non? Oh, je vois même pas de traces. Il n'y a même pas des rats ou. Là, dans le ciel, je vois des traces d'oiseaux. J'ai pas envie de les suivre jusqu'au bout de la map. Bon, on va passer un peu par là. Alors, ouais, voilà. Là, je vais aller. Hop, Tammy. Ouais, c'est ça, c'est le frère et la sœur chelou. Et normalement, sur la route, j'ai une écurie. Donc, j'irai jeter un œil à l'écurie. Salut, Impact. Bienvenue à toi, Impact. Salut, Jim. Alors moi ça va super bien les gars, merci pour le pouce Impact. Ah, j'en ai aucune idée DJ. Honnêtement j'en ai aucune idée. Ah, maintenant normalement ici il y a... On va tomber sur... Ah bah ici normalement il y a des trucs à chasser là, oui 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 oui. Oui 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 oui. Viens ici toi. Viens ici toi. J'en ai eu un. Je crois que c'est du lapin, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est du lapin. Non, marche pas dessus, toi. Ouais, c'est du lièvre. Oups. On le retourne comme une chaussette. Attends, j'en ai tué un deuxième juste ici. Il est où? En mauvais état. Je lui ai mis qu'une seule flèche. Et malgré tout, il est en mauvais état.
C'est un peu abusé ça. Merci beaucoup Sly, je te souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Et un grand merci pour ton passage. Ah bah on a tous des priorités, Miku, hein, il n'y a pas à s'excuser pour ça. Hein. Ah là j'ai quand même une peau de lapin en bon état, donc ça c'est bon. Je vais continuer mon chemin. Est-ce que j'ai encore de l'animal? J'entends un truc qui couine, mais c'est quoi? Là, il y a blindé d'oiseaux. J'entends des trucs qui couinent, mais je les vois pas. Bon, tant pis. Ah, si, là. Tiens, saloperie, il va. Oh. Ah, c'est rien, lui, je vais le pister après. Tiens, une moufette, un petit sconce, hein, ça sert toujours. Moi, personnellement, je les vends. C'est surtout pour gagner du pognon. Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer son campement, justement, avec la peau des animaux. Là, moi, je vends tout. Là, je vois pas les traces de celui que j'ai touché. Pourquoi? Il était plus loin. Pourquoi je vois pas ces traces? Je sais pas ce que c'était. Ah ouais, ici je tout ce qui vit, je le descends en fait. Un raton laveur, pourquoi pas. Ah, il y en a un peu partout les bouchers. Les bouchers en général, ils sont dans les villes et les villages, Sioux. Par contre, je vais prendre mon arc parce qu'il fait quand même moins de. Il abîme quand même moins les trucs. Là, il y a du jonc à accueillir. Là, il y a un animal. Il est en train de se barrer. C'est encore un petit truc. J'entends couiner dans tous les sens, c'est chiant. Alors, je vais encore repartir un peu à pied. Si je vois que c'est un peu trop chiant, je remonterai sur le cheval. En tout cas, je vois pas de. Si, là, il y a une piste. Là, il y a une piste. Et c'est quoi? Un renard roux. C'est bon, je l'ai eu. Normalement, les renards, ça paye. Et les chacals, je pense que ça paye aussi. Ah, j'ai déjà répondu à cette question-là, Golden, me semble-t-il. Oui, j'aime bien le RP, mais certainement pas sur PlayStation. Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire vraiment du beau RP sur PlayStation. J'évite un peu les messages. En tout cas, pour les éventuels nouveaux sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner entre vous, à être actif surtout les uns chez les autres. Important d'être actif, vous abonnez pas juste pour dire de gratter un. Pourquoi je viens de faire tomber ma fourrure, moi? C'est une blague. Attends, attends, attends. Hey, ma fourrure de renard, je la veux, je m'en fous, moi. Attends, je vais le faire avancer parce que ce con, il est. Et si. Ça c'est quoi? Du tabac indien. Tiens, on va le cueillir. Ça sert toujours. Bon, tu vas bouger toi ou alors je dois te tirer dans les boules. Allez, voilà. Laisse-moi reprendre ma peau. Hein. Elle est où? Je crois que c'est ça. Ouais. Et elle est en parfait état en plus. Donc ça se vendra déjà plus cher. Après, j'essaierai quand même peut-être d'aller faire. Un affrontement ou quelque chose ainsi. Histoire de m'entraîner un peu et de gagner un peu de pognon. Oh, une biche. Bambi revient. Là,
Là, je l'ai tué du premier coup. Qu'est-ce que c'était, Quatesse? Ouais, c'était de la biche. Nous, on va dépecer ça et on va voir un peu dans quel état elle est la peau. Ouais, c'est un peu dégueulasse, hein. Hop. Non, mauvais état, ça c'est dommage. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. J'entends couiner dans tous les sens. Je vois qu'il y a pas mal de plantes de tabac. Là, j'entends couiner, mais je vois pas de piste à suivre. Là-bas, il y a de l'animal. Là, j'ai vu que ça brillait. Allez, viens, Bibiche. Bambi! Où il est? Oh, il y a du cochon là. Là, je l'ai eu. Là-bas, il y a encore de l'animal. Là, le cochon, ça se vend bien aussi, ça. Et en même temps, je récupère mes flèches. Ah, peau de sanglier en mauvais état, pas bon ça. J'aurais quand même pu me donner un truc en meilleur état, ça aurait été bien. Ah, je vais aller voir si vraiment on a un cheval d'élite gratuit. Ah, ça y est, je suis enfin au niveau 2 avec mon cheval. Youpi. Normalement, ça augmente un peu ses stats. Par contre, les voleurs de chevaux, les trafiquants de chevaux, je les ai pas encore trouvés. Ça, il faudrait que je puisse aller vérifier ça. Gérer vos chevaux, acheter un cheval. En solde! Ah! Alors, gérer vos chevaux. Déjà, faut que j'achète un box. 120$. Donc déjà je l'ai dans. Ah, il y a Pustule qui est là. Bon bah Pustule, tu dégages, hein. Prix de vente est supprimé. Bon bah Pustule, il dégage. Voilà. Là, dans le box vide ici. Alors il m'a dit un cheval d'élite, donc c'est de qualité supérieure. Le pur sang arabe, il est à... Ah ouais, 200$ le alezan. Ah, par contre... Ah, ils sont quand même à 850$. Et ils sont plutôt chers. Les polyvalents, on a quoi en polyvalent? On a le Mustang. Le Mustang, il est inabordable à mon niveau. Missouri Foxtrotter, oh putain qu'il est moche. De toute façon, je peux pas l'avoir. Et le Turcoman, je peux pas le prendre non plus. Il y a quand même pas mal de chevaux qui sont en solde. Hollandais, American Pain. Un Hollandais à 100 chevaux. Je pense que c'est un comme ça que j'ai en fait. Cheval de guerre. Ah non, c'est un cheval de guerre que j'ai. Et je pense que c'est un Ardennais. Non, même pas. Je ne sais plus. Ou un demi-sang hongrois, je ne sais plus. Non, je sais plus. En tout cas, ils sont pas mal, mais ils sont inabordables. Cheval de course. Alors, dans ceux-là, je peux pas. Dans les purs sang, je peux pas non plus. Trotteur américain, je ne peux pas non plus. Cheval de trait. Je peux pas. Et les chevaux de selle. Et je les peux pas non plus. Bon, c'est rien. J'ai juste un bon cheval, c'est tout. Provision pour cheval. Surtout du foin qu'il faut que j'achète. Le foin, c'est important. Et en plus, il n'est pas très cher.
J'en ai 9 sur 20, je vais faire un plein. Voilà, là je suis full. Et alors un truc qui marche bien, c'est les carottes. Mais ici, il n'y a pas de carottes. Bon, c'est rien avec le foin, il y a déjà de quoi faire. Bah, apparemment non, DJ. Apparemment non. Par contre, je sais toujours pas où acheter la brosse pour mon cheval. Et ça, c'est chiant. Tiens, on va lui donner du foin. Où est-ce qu'il est le foin? Où il est le foin? Des pommes. Du radis. Tiens, on va lui donner du foin. Bien nourrir son cheval, c'est important. Lien renforcé, honneur positif, pansage, pardon. Et non, c'est par là que je dois aller, du con. Ah, par contre, je vais peut-être penser aussi à nourrir mon perso. Voilà, cigarette pas bon, cigarette pas bon. Tiens, je vais prendre ça, tiens, un peu d'alcool. Oh là, il y a du cochon ici. C'est bon, j'en ai eu deux. Attends, il y en a un qui est. Parce qu'il est deuxième, j'en ai touché qu'un. Là, il s'est écroulé peut-être à la deuxième flèche. Bon, moi je récupère mes flèches, c'est déjà ça. Resalut mon Bikil. Bienvenue à toi, Bikil, comment tu vas? Ah, c'est bien possible, DJ. Bah, c'est que j'ai raté cette promotion. Ah, c'est pas grave, hein, je me referai quand même au fur et à mesure. Parce que je fais quelques missions et en chemin, j'hésite pas à dézinguer tout ce qu'il y a moyen de dézinguer. Je parle bien en animaux, parce que point de vue des joueurs, je suis plutôt en PLS. T'es pas encore mort, toi. Mais tu vas crever, ouais. Ça y est, ça y est, ça y est, je vais pouvoir l'achever à coup de pied. Ouais, je vais l'achever à coup de pied. Oh, t'es en train de souffrir. Attends, je vais t'aider. Tiens. C'est bon. Ah, moi, ça va super bien, Bikil. Encore une peau en mauvais état, là. Deux flèches et un coup de pied, tu m'étonnes qu'elle est en mauvais état. Alors moi toujours la forme, hein. Il faut avoir la forme. Il y a un petit lapin. Il n'y a plus de petit lapin. Allez, t'es où? Allez, c'est tellement précis le truc que c'est pas toujours évident de. Oups! Un dépeçage avec deux doigts dans la nuque. C'est un peu dégueulasse, hein? Débrouillard! Super, j'ai gagné un point supplémentaire. On sait pas pourquoi, mais je l'ai gagné quand même. Par contre, je regarde s'il n'y a pas. C'est pas des oiseaux, des poules, des galinettes cendrées, pourquoi pas? Ah là, j'approche de la ferme, je reconnais le rocher. Ouh, il y a un animal là-bas. Ah, ça court, ça court, ça court. Voilà. Ah, comme quoi les flèches c'est quand même plutôt sympa. Hein. Hop. Attends, hein, perso, personne aurait 3000 euros pour que je parte au Burning Man, lol. Ah, moi ces trucs-là c'est pas trop mon kiff.
Ah, pour ça, je préfère honnêtement aller me taper le Tomorrowland ou le Festival de Dour. Est-ce que je vais encore tomber sur un animal? Non, là il n'y a pas. Là j'en vois pas non plus. Ah ah, j'ai vu un truc briller là-bas, non? Un cheval. Un joueur. Merde. Merde, 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 merde. Et ils sont sur la même mission. Enfin, ils sont du moins sur le lieu de mission où je voulais aller. Où est-ce que je fais la crapule avec lui? Bon, je vais tenter. Je vais essayer de m'approcher en sans armes. On verra. Putain, ils sont deux. Non, non, les gars, je veux pas vous buter. C'est bien, ils font pas marche arrière. Ah, quand on est tout seul comme ça, c'est toujours délicat. Oh, gros dégueulasse. T'as toujours pas décidé de prendre un bain. Ah, toi, t'es pas fraîche non plus, madame, hein. Hein, vol des chivals. Ah bah, tu m'étonnes, Bikil. Elle a besoin de chevaux bien robustes. Je veux même pas savoir ce que tu vas en faire de tes chevaux, va, vieille peau. Elle bouffe des écureuils. Ça doit être une fan de Daryl. Ok, donc il m'envoie voler des chevaux. Mais des bons chevaux en plus. Bon allez, du coup, on va y aller. Je prends mon cheval. J'espère qu'ils sont pas sur la même mission que moi. J'ai pas envie de... J'ai pas trop envie de me fight étant donné que je suis plutôt léger point de vue arme. Point de vue level aussi. Ah, tant pis, je vais essayer de couper à travers tout. Donc pendant les missions, vu qu'il y a du temps, je laisse un peu tomber le petit épisode chasse et pêche. Par contre, si maintenant je tombe sur un ours, je vais pas me gêner. Il y a une attaque de train, j'ai pas encore fait ça par contre. Est-ce qu'il est long le train? C'est même pas un train de voyageurs, c'est un train de marchandises. De faire un petit braquage de train de voyageurs, ça doit pas être mal non plus, hein. Un peu comme dans le mode histoire, j'avais bien aimé ce petit braquage. Ah non, j'ai pas le temps de te tuer, Bambi. Ah, je vais essayer de pas me prendre d'arbre. Re-salut Thierry. Par contre, je me demande quand il y aura la saison des pluies, est-ce que les lits de rivière seront réalimentés? Et voir peut-être si en hiver ils vont faire comme sur GTA, rajouter de la neige partout. Ah ouais, ici j'en ai 5 ou 6 des pots sur le cheval. Tout dépend de leur taille.
Si c'est des peaux d'animaux moyens, tu peux les étaler comme ça. Maintenant, si c'est des peaux d'ours, d'alligator ou de wapiti, là, tu dois les rouler. Et à ce moment-là, tu sais emporter qu'une grosse et les autres petites, bah, à ce moment-là, tu dois les glisser en dessous. C'est bon, faut quand même rester réaliste. C'est un cheval, c'est pas un camion. Non, je parie que je suis trop haut sur... Non, ça va. Putain, j'ai eu peur d'être trop haut sur la route. Enfin, dès que mon cheval a récupéré un peu d'endurance, je vais pouvoir relancer un galop. Alors, on va relancer un peu le galop. Ah, vivement que les liens, ils augmentent parce que là, c'est un peu léger, hein. Est-ce que je peux déjà... Non, je peux pas encore faire le dérapage. Ah ouais, tu peux voler les gens dans le jeu. Tu peux faire un carnage. Oh, un bison. Ça, par contre, je vais le prendre. Voilà. Voilà. Ça, le bison. Voilà, justement, comme ça, tu vas voir. En fait, une grosse peau. Parce que là, c'est quand même un animal imposant. Quoi? Je peux pas le... Non, je suis obligé d'aller à la ferme. Je peux même pas le... Ah si. Putain, j'ai eu peur. Je peux... Allez, Allez, il faut le dépecer. Ça, la peau de bison, je vais la gratter. La viande de bison, ça se vend plutôt bien aussi. Voilà, tu vois, donc ici, la peau, elle est plutôt conséquente. C'est bien, j'ai eu des cornes de bison, j'ai eu du roast beef premier choix, ça c'est bien. Voilà, par contre, lui, tu vois, quand je le charge, voilà, ça fait un gros paquet. Donc des grosses peaux comme ça, je peux en transporter qu'une. Et alors, pour tout ce qui est petit gibier, je crois que je peux en transporter ces deux ou ces quatre accrochés à la selle. Je vais essayer quand même de pas me torcher la gueule, ça serait bien. Là, j'ai failli, heureusement que j'ai pas accéléré. Là, évidemment, on a des gars à descendre. Toi, tu vas rester là. Merde, je lui ai raté la tête. Où ils sont? Il y en a un à gauche, il y en a un là-bas à droite. Merde, j'ai pas. Voilà, il m'en reste un. Où il est? Il faut pas que je tue le cheval non plus. Vu que je vais devoir le gratter. Allez, putain, je suis vraiment mal foutu là. En plus, ça fait peur au cheval. Voilà, dans la nuque. Lui, il va me mettre un coup de pied. Voilà, calme-toi, calme-toi. Là, il y a les deux bleus qui étaient en mission qui vont aussi retourner. Les trois bleus, merde, c'est un groupe complet en fait. Ah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais plutôt passer par là. Ah, celui-ci, il est bien rapide en tout cas. Il est beaucoup plus mince. Et là, du coup, mon cheval à moi, il est plus rapide. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ils sont en train de... Ils sont juste sur ma gauche. J'ai l'impression qu'ils ont fait exactement la même mission en fait. Je vais essayer de pas faire mourir le cheval, ça serait bien. Putain, j'espère qu'ils vont pas me gratter mon cheval. Je vais ranger mon arme. J'ai pas envie de me faire buter. Tant pis, là je passe, ils vont s'en occuper, j'espère. Ne me cible pas sans faire exprès, ça serait cool. Voilà, autant qu'ils se démerdent. Oh putain, mais ce cheval-là, il va crever si je continue ainsi. Ouais, je vais quand... Putain, merde, je vais devoir le nourrir, fait chier. Tiens, voilà du foin. Je vais passer par là.
Est-ce qu'il peut grimper? Ouais. Il a récupéré un peu d'endurance. Attendez, je lirai le chat juste après la mission. Cela, j'ai surtout peur des trois bleus qu'il y a là-bas, qui étaient derrière. Et j'ai même l'impression que je suis poursuivi. Et voilà, là, ils peuvent voler le cheval, j'ai intérêt à tracer. J'ai vraiment pas envie qu'ils me rattrapent. Là, je passe à côté d'un campement. Ça aurait pu me servir. Par contre, il a une endurance mais d'asthmatique en phase terminale. Au moins, il ne s'est pas viandé. Ah, j'espère que ça va payer quand même leur mission. Oh, il y en a un en rouge là qui me poursuit. Il y en a un en rouge qui me poursuit. J'espère que c'est un PNJ parce que j'ai pas envie de... Où il est? Tiens, il s'est barré. Ça va, la fermer là. C'est bon. C'est bon, je suis sauvé. Hello my friend, how are you? I'm so happy to see you. Attacher le cheval dans la zone. Ben non, tu rigoles, j'ai monté sur le cheval et je dois livrer le cheval à la ferme. Oui, ben c'est fait. Casse-toi le cheval, casse-toi. Allez, bouge. Putain, il va me mettre un coup de sabot ce con. Alors, attacher le cheval. Et normalement, c'est bon. I'm really fine, my friend. Hop, les plus minces sont plus rapides, mais ils transportent moins. Ouais, on peut dire qu'ils se fatiguent plus vite. C'est pas qu'ils transportent moins, c'est qu'ils se fatiguent plus vite. Maintenant, y a par rapport à son alimentation aussi, à 14$ quand même. Il y a aussi par rapport à l'alimentation, plus tu vas nourrir ton cheval, plus il va grossir, plus il va être endurant, mais plus il va être lent. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à gérer. Tiens, je vais donner une carotte au cheval. Bon, je vais quand même regarder pour peut-être aller vers la ville. Attendez juste un petit instant. Bon, par contre, je vais chercher quand même après un boucher ou quoi. Là, non, il n'y a pas. Merde, je suis obligé de retourner à Saint-Denis. Il n'y a pas un truc plus près que Saint-Denis où je peux vendre. Là, il y a le marchand de pêche. Lui, Thomas, il a quoi comme mission? Capitaine d'embarcation sillonnant les eaux dangereuses de la Lagrasse. Propose des missions de saisie, de livraison de matériel et de chasse aux prédateurs, et de chasse aux prédateurs des environs. Ouais, je pourrais aller le voir, mais je pense que je vais... Ouais, je vais tout traverser, je vais aller vendre mes trucs au boucher. Il est où le boucher? Il est là. Donc ici, il y en a un. Et on va y aller. Salut Letty! Pas de soucis Letty. En tout cas, merci pour ton passage. Je te souhaite une très bonne soirée. Celui-là, je l'ai appelé Bourrin. Comme c'est un cheval de trait, je l'ai appelé Bourrin, Thierry. Celui d'avant, je l'avais appelé, je sais plus, Pustule. Parce que malheureusement, il y a les noms que je voudrais mettre, je peux pas. Je sais pas si c'est Rockstar qui le censure ou si c'est la PlayStation, mais bon. Il y a des noms qui, malheureusement, ne peuvent pas être mis. Oh, oh, oh. Là, il y a de l'alligator, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai un cheval qui a pas peur. Voilà. Oh! Par contre, ah ouais, il a eu peur de l'alligator. Hein. Oh, viens ici. Viens ici, je te dis. Viens ici. Bon, ben, l'alligator, est-ce que je vais essayer de l'avoir avec les flèches? Tiens, je vais essayer. Essayer de viser la tête quand même. Ah non, j'aurais dû tirer au fusil. Hein. Je suis vraiment trop con. Je suis vraiment trop con. Oh putain!
Il y en a partout. C'est bon, je l'ai eu. Alors, par exemple, là, je peux pas prendre la peau de l'alligator. Je peux le dépecer, mais je peux pas prendre sa peau. Je peux pas la poser sur le cheval parce que j'ai déjà justement la peau de bison. Ah, tu vois, si je prends la... Putain, où est-ce qu'il est mon cheval, bordel? Ben, c'est rien, c'est pas grave. Tiens, ça, on va le laisser là. Je vais aller buter l'alligator ici. Non, je vais pas prendre cette arme-là. Si, j'ai pas le choix en fait. Maintenant, si je vois qu'elle est en bon état, ben, j'enlèverai la peau du bison. Voilà, en pleine tête. Ben c'est vraiment Alligator Land ici, c'est abusé. Ben c'est rien, ça me fera de la viande à vendre. Ah ben voilà, il s'est affolé, donc du coup il a fait tomber. Ah ici j'ai, elle est en parfait état. Non, il l'a pas fait tomber. Voilà, ici je suis obligé de remplacer la peau de bison. Voilà, donc la peau de bison elle dégage et je prends ma peau d'alligator en parfait état. Et je vais aller la vendre au boucher. Bon, par contre, je vais quand même utiliser la vision ici pour être sûr de ne pas marcher sur un truc chelou. Ah là, il y a un truc là. Allez, putain, mais... Ah, une tortue. Ah, les tortues, ça, c'est bien aussi. Est-ce que je peux la buter avec une flèche? Voilà. Là, je récupère et une tortue alligator. Ah, c'est dégueulasse aussi comme il l'ouvre en deux. Juste pour prendre un morceau. La tortue alligator, je la prends pas non plus parce qu'il faut la poser sur le cul du cheval et ça prend de la place à crever. Ben, c'est rien, ça me fait de la viande et ça augmente mes réflexes. En tout cas, ma jauge de réflexes. Oh merde. Ah là, il est en train de surveiller ses peaux, lui. Non, non, non. Crime signalé, mais j'ai rien fait, tu te fous de ma gueule? Putain, c'est l'autre qui fait ses conneries, moi je fais juste que passer. J'ai rien fait moi monsieur, hein, c'est pas moi. Hein. Bah non, c'est pas moi, allez, vous déconnez les gars. Une prime de 5 cents. Non, mais 5 cents, j'ai fait que passer à côté du gars qui faisait des conneries, c'est une blague ou quoi? Et je me fais rechercher comme une merde. Voilà, il y avait des... En repassant, je pense que je vais buter quelques oiseaux si j'y arrive, si j'y pense. Parce que certains oiseaux, leurs plumes coûtent quand même assez cher. Et c'est plutôt intéressant de les buter. Salut mon Jamel! Bienvenue à toi Jamel, comment vas-tu? Alors, à le moine. Est-ce que j'ai un boucher ici ou est-ce que je dois aller plus loin? Non, je dois aller plus loin. Ah, moi, ça va super bien en tout cas, Jamel. Mon cheval, il est en train de crever. Faut vraiment que j'améliore son endurance à ce con. On va essayer de calmer. Non, je vais pas sauter sur son cheval, lui. Il y a encore les bleus qui sont là. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais... Ouais, slow down, déjà je t'emmerde. Ah ouais, non, il y a encore le bleu qui est là. Oh putain, ils vont vraiment croire que je les suis, les gars. Ah, j'irai racheter des cartouches après. C'est vrai. Ah ouais, bah il est au boucher aussi. Putain, le gars, il est chez le boucher. Il va vraiment là où moi je vais. C'est abusé, le boucher, il est juste là. Voilà, il est en pleine négociation, donc... Voilà.
Bon, j'espère que je dois pas amener mon cheval trop près. Acheter, vendre. Et on va vendre quelques trucs. Alors ici, hops, 1 $. Deux dents d'alligator. 75 cents. 6 $ de viande. Alors ici, 4,80 $. Ça, c'était quoi ça? Un brochet. Ouais, 1 $, c'est pas énorme. Hein. Voilà. Même pas 1 $ pour ces peaux de lapin dégueulasses. De la viande filandreuse, 1 $. De la défense de sanglier, ça va, ça paye pas trop mal. Des cuisses de grenouille, ça vaut rien. Ça vaut rien non plus. 1,80 $ ici. 3,60 $ ici pour de la longe de porc. Des glands d'odorifère. Je sais plus sur quoi j'ai été gratter ça. De la graisse, ça sert pas à grand chose non plus. Ah, ici 1,35 $. À 75 cents. 57 cents. 69 cents. Ah, 2,52 $. Et ça, c'est quoi? De la peau de sanglier en mauvais état. Peau de biche en mauvais état. Alors ici, 2,25 $. De la fourrure de renard. La fourrure de renard, elle paye. Elle paye plutôt pas mal. Et la peau d'alligator en parfait état, elle fait quand même 3,50 $. Donc c'est bien, j'ai commencé le live avec, je ne sais plus, je crois que c'est une trentaine de dollars et je me retrouve quand même avec 86 $. C'est pas énorme, mais c'est plutôt pas mal. Salut Vivito, bienvenue à toi. Salut Trevor Phillips, ah, grand respect pour un pseudo pareil. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bonne soirée à toi en vrac. Un grand merci pour ton passage et bonne nuit mon ami. Donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas, ça fait plaisir. De voir. Ah, j'ai encore une carte au trésor, tiens, Blackbone Forest. Tiens, celui-là, je l'ai pas fait. Tiens, elle est, c'est où, en fait? Blackbone Forest. Donc ça, je vends pas. Tiens, je l'ai pas fait celui-là. Est-ce que je ferais pas une petite chasse au trésor pendant le live? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je vais aller acheter de la bouffe? Et oui, je vais aller acheter un peu de bouffe quand même. Je vois qu'il y a le marchand qui est juste à côté. Donc je vais aller acheter de la bouffe, ensuite j'irai acheter quand même. Allez, hein, pourquoi je vais par là, moi? Ah, ta gueule avec ton cheval, hein, avec ta charrette là. Ah, toujours avec autant de délicatesse. Ouais, tout à fait, comme tu dis, monsieur. Je veux du corned beef. Alors, provisions, munitions, chasse et pêche, soins pour cheval. Est-ce que je peux acheter des trucs pour le cheval? Je veux la brosse. Non, il n'y a pas de brosse. Pourquoi je peux pas acheter la brosse pour le cheval? Alors, pour la pêche. Ça, c'est quoi? De l'huile pour les armes. Prix 1,50. Normalement, c'est gratuit, ça. Je sais même pas combien j'en ai. Je vais en prendre deux. Je peux pas. Je suis full. Putain, par contre, j'ai pas assez non plus pour... pour acheter des leurres de lac, ces trucs-là, ils sont importants. Ouais, bah, je vais acheter quelques asticots, non? Non, je suis full aussi en asticots. Bah, des flèches, ça, on va en reprendre obligé. Ça, on reprend aussi. Voilà. Ça, j'ai pas. Non, non, non. Voilà. Pommade pour cheveux, on s'en fout ça, médicament miracle. Alors, des crackers, non, c'est où ce qu'il est? Assortiment de biscuits. Ça, on s'en fout. Barre de chocolat, non, c'est beaucoup trop cher ça, les barres de chocolat. En conserve, ils ont que ça. Galette d'avoine, c'est hyper cher, par contre, c'est hyper nourrissant. Des fraises en conserve, non, non. Ce qu'il est, le corned beef? Des petits pois en conserve. Ah, les ananas, ça c'est plutôt bien, mais c'est cher aussi ça. Pêche, corned beef, ah ouais, 1,75 $. Ça, je vais en reprendre deux ou trois. C'est dommage que je vois pas exactement combien j'en ai. Et ouais, les ananas,
Je vais en prendre deux ou trois aussi. Ça sert toujours. Ah bah ok, bon, on va aller à la chasse au trésor alors. Bon, nourriture en conserve, on s'en fout. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Il y a quoi d'autre? Provisions, fortifiants, munitions, soins pour chevaux, vêtements, interactions, les interactions. Franchement, je m'en bats un peu les couilles. Alors, ouais, tout à fait. Je crois que j'ai éclaté sa porte. Bon, on s'en fout. Hop. On reprend bourrin. Par contre, c'est chiant, j'ai pas de brosse pour le nettoyer, mon cheval. Des munitions, est-ce que je dois en acheter ou pas? Combien est-ce qu'il me reste? Ah bah non, j'ai pu en acheter là, donc c'est bon. Eh ben, on va ouvrir la carte au trésor. Merde, c'est comment? C'est... Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ce bouton-là? Voilà, ça coche. Carte au trésor. Black Bone Forest. Indique l'emplacement d'un trésor. Ouais, bah, c'est approximatif, hein. Les trésors, c'est toujours le bordel. Je suis en multi, Vivito. C'est pour ça que je me méfie toujours parce que... ah ouais, carrément. Ah ouais. Je pense que je vais quand même prendre une diligence peut-être pour aller jusque-là parce que c'est quand même un peu loin. Par contre, la diligence, je peux aller jusque où? Jusqu'à Strawberry. Ok. Ah ben, je vais aller à Strawberry. Diligence, diligence. Normalement, c'est près de la poste. En théorie. En théorie, ça devrait être pas loin d'ici. Putain, où il est le point de diligence? Putain, j'ai encore des trucs dans... Je vais aller voir mes trucs dans la boîte aux lettres. Mais après, il faut vraiment que je trouve le point de diligence. Parce que j'ai pas envie de me taper toute la route. En une fois. Oh, monsieur. Ouais, je vais déjà payer la prime de 2 cents. Je vais regarder dans mon courrier ce que j'ai. Alors, du foin, c'est bien. Ah, je peux plus prendre de... Non. Ouais, ok, des galettes. Donc là, je suis full aussi. C'est bien, j'en aurai toujours un peu en réserve. Et du stimulant. Du réanimateur, ça c'est important. Et non, c'est tout. C'est tout. C'est bien. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir trouver l'emplacement de diligence. Putain. Ah, allez, je vais trop vite à chaque fois. Où il est le point de diligence? Je vais regarder un peu parce que... En théorie, il devrait être quand même dans le coin. Afficher légende. Alors, confrontation, confrontation. Élimination, élimination. Alden, Angus. Bonnie, Hector, inconnu, inconnu, Bafouille, Shérif, Tommy, Thomas, Poker, Armurier, Barbier, Boucher, Bureau de poste, Levier Jones, Magasin, Magasin de pêche, Médecine, Receleur, Saloon, Studio de photographie, Tailleur, Voyage rapide. Alors, j'en ai un là. Ok, ben non, Voyage rapide. Ok. Bon, bah apparemment le plus près que j'ai, il est à la sortie de la ville. Et j'irai sur le trésor juste après. Bah, j'en pense quoi? Il n'y a pas... Enfin, moi personnellement, je fais pas énormément de choses dessus, à part farmer, récupérer un peu d'argent. Bon, ici, j'y joue plutôt comme un gros Sims. Mais d'où je me suis viandé? Putain, mais sur quoi je me suis pété la race? Non, sur un buisson, mais t'es sérieux? Putain, il s'est viandé sur un buisson, ce con de cheval. Ah, je vais quand même lui donner à bouffer aussi, lui. Tiens, v'là de l'avoine. Putain, mais casse-toi, allez, arrête de blesser mon cheval, hein. Putain, mais qui sont cons, les gens?
par contre la pluie c'est un peu chiant aussi. Ça limite la visibilité. Il y a toujours les points bleus qui sont pas très loin de moi et ça j'aime pas trop. Et le cycle jour-nuit il est vachement rapide ici, c'est abusé. Là il y a une belle tempête qui se prépare apparemment. Le vent souffle. La pluie bat en rafale. Non, ça c'est un arbre, je vais essayer de pas me le choper. Ah c'est abusé, on voit vraiment que dalle. Hop, ça on va allumer les phares. Ah c'est chiant que j'ai pas le leurre de lac ou quoi, parce que ça permet de pêcher des poissons beaucoup plus conséquents et qui de ce fait rapportent quand même pas mal d'argent en plus. Un exemple, l'esturgeon jaune, malgré que c'était un bel esturgeon quand même, il m'a rapporté 8 $ et je crois que c'est un esturgeon de 8 kilos. Donc ce qui est plutôt pas négligeable. Ouais, c'est 8 $ ou 13 $, je sais plus. Putain, mais pourquoi il a sauté mon perso? Il est con quoi. Là j'ai pas tout compris, mais bon. Alors, voyage rapide. Strawberry. Ah ouais, 6 $. 6 $, c'est abusé. Bah sinon franchement moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. Mais maintenant entre potes c'est un peu plus. Ouais, y a moyen de foutre le bordel, il y a moyen d'aller attraper des gens, les attacher au lasso, les tirer avec ton cheval. Tu peux vraiment tout faire dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de limite. Bon, du coup, on va. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai appuyé sur ça moi? Du coup, je vais quand même essayer d'aller chercher le trésor. Tiens, on va essayer de le trouver en direct. Non, sinon, il y a quand même moins de bugs. Hein, parce que j'avais fait, il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une petite vidéo avec le style de bug qu'on rencontre sur le jeu. Ah merde, putain, pourquoi je suis passé par là, moi? Je suis vraiment trop con. Ils savent pas mettre des lampes le long des routes aussi, ceux-là, bande de crevards, là. J'ai peur de payer des impôts. Honteux. Oh, attends, parce que là, moi, je vois que dalle. Hop, on va rallumer un peu les phares. Ça aide pas plus. Et quand c'est la nuit, que c'est une nuit nuageuse ou qu'il pleut ou quoi, pour se guider, il faut vraiment se référer à la map. En priant qu'il n'y ait pas un obstacle devant. Parce que quand il fait nuit noire, c'est vraiment nuit noire. C'est abusé même. On va suivre la route normale. On va regarder quand même de temps en temps s'il n'y a pas un animal. Il y en a un juste devant. J'ai vu un animal. Je suis pas assez loin, assez proche. Merde, 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 je le vois plus. Et j'ai peur de perdre la route. Là j'entends il y a du sanglier ou du cochon sauvage. Ah, la chasse au trésor par contre c'est vraiment chiant parce que on est sur une zone assez grande. Par contre là il y en avait un, je sais pas ce qu'il y avait, peut-être un ours. Non, c'est du serpent, je pense que c'est du serpent et il est en train de se barrer. Ah. Parce que le serpent, c'est une merde aussi. Hein.
étant donné qu'on ne le voit pas au sol. Et en termes de missions, ouais, il y a pas mal. Il y a pas mal de missions sympas. Après, allez, tu as comme dans GTA des affrontements, ou ça c'est du Wapiti, ça je crois. Ouais, tu vas crever, ouais. Ah, je parie qu'elle va être en mauvais état. Au moins, je récupère mes flèches. Bon, y a moyen que je te dé... Allez. Ah, en mauvais état. Bon, si je trouve une grosse peau en bon état, ben, je la prendrai. Mais en attendant, on va charger ça sur le cheval. Oh, il y en a encore un devant. Là, je vais directement le shooter plutôt que de tirer à l'arc. Putain, mais arrête de te sauver, hein. Putain, mais laisse-toi attraper. Là, je crois que je l'ai eu d'une seule balle. Si sa peau est en bon état, voilà, c'est encore un wapiti femelle. Donc ça lui rapporte un petit peu moins. Ouais, j'ai entendu dire ça, Thierry. Donc du coup, je l'ai désinstallé du téléphone que j'avais avant et je l'ai pas installé sur le nouveau. En mauvais état, donc là ça sert à rien, on va lâcher ça. Le fait de prendre la viande, c'est déjà une bonne chose. Là, il y a du lièvre. Ouh, ça c'est quoi ça? Du sanglier. Là, je vais aller le pister parce que deux flèches il va crever. Deux flèches il va crever. Voilà, il est là. Je regarde un peu parce que le soir, c'est... On voit pas ce qui se passe autour. Allez, encore une peau de sanglier en mauvais état. Ça, c'est quoi? C'est du sanglier aussi, ça? Je pense que c'est du sanglier aussi. Ah, je vais juste charger ça. Non, pas lâcher, putain! Ah, si on n'est pas vraiment à côté, ça marche pas, hein. Allez, on va repartir à la recherche du trésor. Et on rentre dans la zone. Bon. Alors, cette zone-là, je l'ai jamais fait. J'entends qu'il y a des loups ou des chacals, je ne sais pas. Donc, on va essayer d'être attentif. Là, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Un opossum. Tiens, tu vas crever aussi. Alors, j'ai gagné quoi? Une peau d'opossum, ouais. En mauvais état, évidemment. Parce que sinon, c'est même pas drôle. Par contre, ici, il y a pas mal de pistes.
Là-bas, ça brille. Là-haut. Je crois qu'il y a des trucs là-haut. Si j'ai bien vu. Ah, c'est des animaux. Là, ça brille, mais je pense que non, ce sont des plantes. Là-bas, ça a l'air de briller un peu plus. Non, c'est des plantes aussi. À trouver les trésors, c'est une vraie prise de tête. Parce qu'en général, il y a plusieurs points possibles, plusieurs endroits, plusieurs cachettes. Et on a une chance sur 2, sur 3 de tomber directement sur la bonne. Oula, il y a du loup. Il y a du loup. Là-bas, est-ce que c'est... Non, c'est une maison. Elle est un peu loin de la zone de recherche, donc je pense pas que le trésor soit là-bas. Là, il y a quelques rochers. Il pourrait être au pied de ces rochers, non? Non, je pense pas. Là, je vois rien. Ah. Piste des mouflons, on s'en fout du mouflon. Je vais pas aller chercher après une chèvre. Non, ça ce n'est que des plantes, je pense. Ah, ça c'est des plantes. Piste des moufettes, on s'en fout de la moufette. Ah, par contre, faut que je bouffe. Bah ouais, du maïs, ça a l'air un petit peu de maïs. J'ai cru voir un truc qui brillait là-bas. C'est quoi qui fait du bruit ainsi, on dirait un... Un bruit de ferraille. Là, du coup, j'entends plus rien. Ah, j'ai pas envie de pister des biches. Allez, sérieux, je suis en train de chercher un trésor. Il n'y a pas à pister le trésor. Allez, il y a de la plante. Oh putain, mais pourquoi tu m'attaques, toi? Putain, où il est? Il est là. Ils sont où, putain? Allez, merde, j'ai raté sa tête. Dégage! Mais putain, pourquoi j'arrive pas à le... Dégage! Je vais me faire défoncer! Wouah, putain, je suis vraiment pris dans tous les sens ici. Je vais crever comme une grosse merde. Putain, où il est? Oh putain, il y en a un qui s'approche là. Allez, putain, mais ta gueule! Dégage! Putain, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Vite à manger. Ouais, c'est ça, ta maman en short. Voilà, dégage toi. Petit con, merde. Merde, je l'ai raté, putain. Allez, mon personnage, il commence à avoir froid. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Allez, hop, un petit peu de maïs. Non, non, je vais me péter là. Et je me tue comme un gros connard. Évidemment, parce que sinon, ben, c'est pas drôle.
Là, je suis vraiment mort comme une pauvre merde. T'as sur une chute. Évidemment, bah, je suis vraiment tout prêt, hein. Hein, ça, me faire spawn juste à côté. Ça aurait été trop demandé. Normalement, mon fusil est chargé. On va retourner. Je sais même pas pourquoi ils m'en veulent à moi. J'aurais rien fait, moi, eux. Enfin, je pense pas. Allez, hop, on va se concentrer un petit peu. Il y en a encore deux ou trois là. Putain, allez. Mais non, hein. Sors de ta bûche. Ça, c'est comme sur GTA, hein. Ça vise toujours aussi bien. Ils sont en train de faire le tour, je sais pas. Ça, il crèvera pas, hein. Voilà, hops. Allez, toi là-bas. Ben non, merde, trop. Il faut vraiment que je me reprenne une bonne manette parce que là. Voilà, rang 18, c'est bien. Et du coup, ben, le trésor, il est là. C'était une embuscade de merde, ok. Et ben, le coffre était là. Et il y a quoi là-dedans? Eh ben, on va prendre ce qu'il y a dans le trésor. Donc, un lingot, du tabac à chiquer, ok. 50 XP, 81$. On va pas se plaindre. Oh, petit trésor sympa, hein. Ah, j'ai pas dû trop chercher après, c'est bien, il était bien entouré par une grosse bande d'enfoirés. J'ai quand même appelé mon cheval, j'espère qu'il est pas mort, ce con. Ah, aucune idée, Thierry. Aucune idée, Thierry. Soit je commence un nouveau jeu, soit je continue sur les trois principaux que je stream. Ou alors je repars sur autre chose en multi, je sais pas encore. Donc, quelle heure est-il? Bon, encore un petit peu de Red Dead. Non, on va enlever l'index. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Donc ça, c'est une mission de la poste, on s'en fout. Ici, lui, il a quoi comme mission? Une inconnue a du travail à me proposer. Et on va aller voir l'inconnue. Moi, j'aime bien les inconnus. Ah, juste le temps de me faire une cigarette. Par contre, normalement, le chemin est plutôt simple à suivre. Quand même reprendre mon arc, on sait jamais. Non, toi, je vais pas t'emmerder. Je crois que j'ai fait assez de carnage comme ça. Livraison spéciale, invité à... Non, on s'en fout, casse pas les couilles. Les missions principales, je les ferai plus tard. Là, je suis en train de m'amuser un petit peu. C'est du premier coup? Et en plus une antilope mâle. Donc ça va me donner de la viande à vendre. Je récupère ma flèche. Et normalement des cornes d'antilope. En mauvais état, elle est sérieux. J'ai mis qu'une seule flèche et elle est en mauvais état. Placer ça dessus et je vais manger encore un bout parce que là apparemment mon perso il est en train de... S'épuiser un poil, c'est quoi? Pff, des petits pois, allez. Un petit pois passé. Des crackers, du pain, assortiment de biscuits. Morceaux de fromage, ça je les garde pour la pêche. Tiens, des haricots, la tomate.
En tout cas, c'est toujours bon de pouvoir se faire un petit trésor comme ça de temps en temps. Ça permet d'augmenter un peu la bourse. Sur ce jeu, faire du pognon, c'est... Il faut crafter tout le temps, faut cueillir des plantes, faut chasser, faut pêcher, faut faire des missions. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce jeu. On peut améliorer son camp également pour ceux qui, pour les plus acharnés. Ouais, mais c'est pas toujours évident de viser la tête, hein, DJ. C'est quoi là? C'est... Non, ça c'est une mission. Donc j'ai pas envie de me lancer dans... Enfin, dans une mission, dans une activité. Parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des courses, il y a allez, il y a des survies. Il y a vraiment toutes sortes comme activités qui sont plutôt sympas à faire. Maintenant, moi j'aime bien le mode exploration tout simple. Ah, ça permet de se promener un peu dans les bois et de s'amuser. On va aller voir la nain connue ici. Ouh, il y a des poules. Ah, ça, les poules par exemple, on peut toutes les chasser si on veut. Même les poules domestiques. Bonjour madame. Ah oui, t'es une vieille dame, toi. C'est Madalton. Ouais, ça doit être Madalton. Mama Watson. Ouais, les graphismes, ils sont magnifiques à ce jeu, DJ. Ok, donc apparemment, je dois libérer des Gugus. Eh ben, on va aller libérer les frères Dalton. Eh ben, par contre, il faut que j'augmente un tout petit peu ma. Tiens, on va recharger ça. Voilà, on se met à fond. Normalement, ça va me recharger ma jauge à fond. Le tabac à chiquer. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû mettre un repère. Je vais essayer de pas me prendre un arbre. Ah, pour ceux qui le savent pas, je suis champion des gamelles. Là, je m'attendais à avoir un énorme ruisseau. Je sais pas de quel côté de la montagne il est ce truc. Voilà, je le disais. Champion des gamelles. Allez, grimpe ici. Je vais en profiter pour quand même regarder la map. Où c'est qu'il est? Ah ben, il est près de Strawberry, comme elle l'avait indiqué. On va suivre la route, hein. On va pas tenter le diable plus que ça. Par contre, je prépare déjà mon arme. 74 cartouches. On est plutôt bien. Allez, un petit sprint. Je vais ralentir un peu parce que là le cheval il a un peu de mal. Ouais, c'est ça, morning. Je vais voir si le chariot il a pas bougé. Non, apparemment il bouge pas le chariot. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est une bonne chose.
par contre la caméra ne bouge pas non plus quand je tourne. Et ça c'est plus chiant. Hop, on traverse Strawberry. Est-ce que je prends le temps d'aller vendre mes trucs? Non. Non, j'irai plus tard. Ah putain, il n'y a pas de klaxon ici. Allez, bah, bouge ton char, hein, du con. Allez, si je fonce dedans, c'est encore moi qui vais morfler. C'est mon cheval qui va s'en prendre plein la gueule. Ouais, c'est ça, allez, ta gueule. Par contre, ton cheval, il est beau. Hein. Oh putain! Oh putain, je me fais... Ah ouais, non, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Putain, j'aurais vraiment foncé dessus, mais comme un gros connard. C'est abusé. Ah, j'ai vraiment fait le con. Allez, mon cheval, il est là, normalement, j'espère qu'il a pas mouru. Où il est? Il est juste en bas. Ah, bien sûr, je me fais mal, hein. Allez, non! Putain, je pensais qu'ils étaient arrêtés, bande de crétins. Ouais, je m'en prends plein la race. Hein. Je fais vraiment de la merde. C'est abusé, je fais vraiment attention à rien. Ah ouais, bah ça c'est pas bon par contre. C'est bon, là je l'ai eu, mais par contre il y a toute la ville qui va me poursuivre. Ben ouais, j'ai toute la ville qui va me poursuivre. Ouais, c'est ça, ta gueule. Allez. Oh, toi le shérif. Mais non. Allez, putain, dégage. Je sais pas. Non, il va me rouler dessus, lui. Mais va te faire mettre, hein. Allez, mange. Ah, dégage. Voilà, hops. Allez, le cheval, vite! Putain, on va se faire défoncer là. Mon cheval, il est pas à côté de nous. On va se faire défoncer. Allez, le cheval, plus vite, hein! Faut que je remange un truc. Ça y est, il est là. Oh merde, mon cheval il est mort en fait. Oh non, et je me tape une vieille carne. Merde. Bon, c'est pas grave, j'ai pas perdu mes pouces, c'est le principal. Ah putain, par contre il va falloir que je rappelle mon cheval à moi après la mission parce que... Ah celui-là, c'est laisse tomber, il tient plus debout. À mon avis, ses jambes elles tiennent avec des vis ou je sais pas, mais... Ah, je viens d'écraser un truc. Ah non, ta gueule, on s'en fout, je prends pas la route, non! Putain, j'ai failli faire une connerie ici! On va passer par là. C'est un raccourci que je connais pas. Oh putain, mais il y a des cailloux partout. Qui c'est le connard qui a planté des arbres dans la forêt aussi? Mais pourquoi tu veux pas sauter, du con? Mais c'est vraiment un âne, ce cheval. Il sert à rien du tout, la vieille carne. Et hop, tout droit. J'ai peur qu'en passant sur la route, on ait de mauvaises surprises. Et en plus, je dois le ramener à la gare. Donc j'espère quand même que je vais gagner un peu plus de pognon. Voilà, les joueurs peuvent livrer le prisonnier aux autorités. Mission de livraison de GTA, hein, même principe. Où tu te fais gratter ce que tu es en train de livrer par les opportunistes de service. Putain, la vieille carne, elle est en train de crever comme une merde. Par contre, ouais, il me faut vraiment un truc à bouffer. Attends. Allez, du saumon. Merde. Merde. Non, dégage, allez, putain, mais avance, un connard de cheval, avance, un bête de caillou qui le bloque. Non, je me casse, monsieur. Allez, casse pas les pieds.
Attends, attends. Tu fais le malin? T'es où? T'es où, petit con? T'es où? Voilà. J'ai 7 minutes pour arriver à la gare. Là, par contre, j'aurais pu tuer du canard. Ça aurait été intéressant de les buter. Le canard est plutôt pas mal à la revente. Ah, les autorités me recherchent, évidemment. Par contre, je vais reprendre un peu de saumon. J'espère que... Non, il est pas mort, putain. Il est où? Mais ta gueule, allez, hein. Putain, le cheval, il m'énerve. Voilà, dégage. Voilà, c'est bon, on arrive à la gare. Mais il fait quoi? Non mais Coco, c'est ici, hein. Oh. Mais il fait quoi, ce con? Là, il vient quand même. Voilà, c'est bon. Ah bah c'est bien, une livraison de fête. Waouh, 14$. Ça va. Et on a une petite table de poker ici. Allez, on va essayer un peu le poker. Et après, je pense que je vais en rester là. La porte, elle est où? Elle est là. Allez, on va se faire un petit poker. Alors, règles du poker, cave, table. Créer partie privée, mais... Attends, cette fonction n'est pas disponible quand le chat de partie est activé. Ah merde! Ouais, bon, bah du coup, je vais. Ah non, c'est chiant, il n'y a personne. Ah si, il y a des gens, mais je peux pas. Putain, merde. Ça, c'est chiant. Juste parce que je suis en chat de partie, merde. Bon, ben tant pis. Tant pis. Allez, je vais faire une dernière mission. Où il est? Où il est? Où il est? Où il est? Il est là. Tiens, t'es qui toi encore? Tout le monde veut travailler pour le mioche. Ouais, il se prend pour Billy the Kid. Sans doute un petit cousin éloigné. Et il se la joue un peu trop, lui, m'énerve. Ok, c'est un gars qui aime bien s'écouter parler. Est-ce que je peux le descendre? Il fait un peu trop de malin, il m'énerve. Bon, n'empêche, il me donne une mission. Une mission intéressante. J'espère que c'est pas la vieille carne. Eh ben si, c'est la vieille carne. Oh, putain, merde. J'ai pas envie. Bon, bah du coup, je vais aller à Limpa, machin truc. Avec ce cheval de merde.
Et j'irai rechercher le mien dans une écurie. Je vais pas la faire courir trop vite parce qu'elle va avoir un infarctus, cette pauvre bête. Elle est déjà bouffée par les mites. Non, par contre, le point rouge sur la map, je vais l'enlever parce qu'il est en train de me gonfler. Voilà. Je vais garder que le trajet à faire. Je pensais vraiment récupérer mon cheval après la mission, mais j'espère juste que je devrais pas repartir dans une écurie. Évidemment, ici, ça va fighter. Et ils m'ont déjà repéré, bien vu. Bon, déjà, où ils sont ces cons? Je les vois même pas. Oh les chiens, venez pas m'attaquer, hein. Oh putain, il m'attaque ce PD. Dégage, saloperie de clébard de merde. Dégage, putain de chien. Dégage. Et s'il y a moyen de te prendre ta viande, je vais le faire. Je vais pas me gêner. Non, c'est juste le... Non. Oh, où tu es? Merde, j'ai juste fait sauter son chapeau. J'ai mal visé. Mais non, putain, j'en ai un en face de moi. Vise celui en face, hein, du con, va. Je vais encore crever. Je vais encore crever. Mais non, allez. Faut vraiment que je monte un peu mes levels parce que là, c'est horrible. Il faut dire aussi, je joue excessivement mal. Et j'ai pas mon cheval vu que mes armes étaient sur mon cheval. Ça, c'est chiant. Mais en plus, je me suis fait à moitié bouffer par ces connards de clébards. Où ils sont? Tiens, dégage. Dégage. Là, il y en a un peu plus par là. Non, je le vois pas. Ouh, toi, t'es où? Dégage. Allez, il y en a encore un. Il y en a encore un. Il est là. Il est où? 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 Merde, trop. Mais non, je suis obligé de sortir à découvert. Ça m'emmerde. Voilà. Là-bas, il y en a encore un. Voilà. Et là, il n'y en a plus. Et lui aussi, je dois le conduire à la gare. Bon, est-ce que j'ai mon cheval à moi déjà? Non, j'ai toujours l'autre cheval dégueulasse là. En plus, il m'écoute pas, ce con. Allez, dépêche-toi, grimper. Resalut, Sioux. Ah, je vais terminer ici, DJ. De temps en temps, je fais des sessions avec les abonnés, avec les... Enfin, avec les abonnés les plus actifs, en tout cas. Et avec les potos. Donc, quand j'en referai une, si tu veux, tu seras le bienvenu. Parce que j'ai pas envie que... Putain, par contre, j'ai un cheval asthmatique, hein, c'est chiant. Ah ça, les Marshall, ils aiment pas qu'on prenne leur cible.
Ça va toujours, Siou. Et merde. Prendre mon... Ah putain, ils sont juste derrière. T'as pas envie de tirer dessus, toi, non? Allez, putain. Allez, putain, j'en prends plein la gueule. Mon cheval, il va crever. Mais putain, l'autre PD, il est juste en face de moi. Je peux même pas... Je pouvais même pas tirer, ils l'ont tué. Dégage, fumier, fils de ta maman, va. Et ils m'ont buté mon cheval en plus. Il y en a encore un qui arrive là. Tiens, dégage. Bon, bah du coup, je vais le fouiller, hein, tant pis. Hein. Là, je peux même pas le fouiller. Vieille carne. Ah, je vais le réanimer, j'ai pas le choix. Hein. Putain, fait chier, je dois utiliser un réanimateur pour chevaux pour ce cheval dégueulasse. Et en plus, je dois gaspiller de la bouffe pour lui. Oh, bah t'inquiète, mon level il est pas plus élevé, tu sais. Allez, il y en a encore deux marshals qui arrivent. Allez, mais putain, j'ai même pas le temps de changer d'arme. Hein. Ah bah, tu as la carabine à répétition. Mais oui, tant qu'on y est, pourquoi pas. Bon, quelle heure est-il? Presque 23h. Ben moi, je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc du coup, ben, un grand merci à vous pour votre passage, pour vos messages, pour vos vues. Que ce soit les viewers silencieux, les viewers actifs. Merci pour vos pouces, bleus, rouges, peu importe. Ça fait quand même une vue, hein, comme on dit. Donc du coup, ben, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un pouce rouge, si vous n'aimez pas, c'est pas interdit. Et ça me fait quand même une vue. Salut Coco! Ah, désolé, mais moi je me lève à 3h du mat, Coco, je travaille. Donc bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de la chaîne et des vidéos. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des poteaux et des modos. Donc demain, je ne sais pas si je vais stream, mais si je stream, donc c'est à l'heure habituelle, hein, vers 19h30, 20h30 au plus tard quand je commence. Si pas, c'est que je suis trop fatigué après ma journée de travail. Donc ça, on verra un petit peu mon état de fatigue et mon humeur. Donc du coup, ben, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie toutes et tous pour votre passage. Passez une bonne nuit et je vous dis à ciao ciao tout le monde.